Bonjour à tous. Chers concitoyens, chères concitoyennes, nous vivons une période de sécheresse et c'est très grave. Je vous encourage à fermer vos robinets. Ne consommez plus l'eau de la source. Je conseille l'eau de vie, mais pas en grande quantité, car elle s'appellerait aussi l'eau de la mort. Je vous remercie et bonne santé à tous. Maintenant, à vous la parole. Séquence 1, plan 2, prise 5. Nous sommes ici à Cornimont, concrètement dans le département des Vosges. L'EHPAD Le Croix-Rouge s'est fait connaître depuis 3 semaines grâce à cette végétation que vous voyez luxuriante sur un rayon de 1,5 km. Comment fait l'EHPAD pour conserver cette végétation et donc cette présence d'eau? Car, je le rappelle, depuis 3 semaines, notre président a décrété des restrictions globales et strictes d'eau. L'EHPAD Le Croix-Rouge, lui, ses résidents, sa direction, arrivent à préserver cette eau et surtout à la gérer. Comment font-ils? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre tout de suite. Et vous avez toujours réussi à subvenir à vos besoins au niveau de l'eau? Il n'y a pas, jamais eu de moment où vous avez eu des problèmes ou quoi? Non. Non, c'était toujours... On avait toujours de l'eau quand même. Hein. Ouais, ouais. Mais vous avez plus de pluie qu'ailleurs ou comment ça se passe? On avait certainement plus de pluie qu'ailleurs, je ne me souviens pas. Ouais. Enfin, vous avez quand même une méthode pour récupérer l'eau. Sûrement. Ok. Non, il n'y avait pas l'eau au robinet. Et comment on vous faisiez? On avait deux bassins qui se remplissaient en permanente quand ça coulait un petit peu, quoi. Et là, c'était une source qui venait d'où, du coup? Ah, ben, je sais pas. Là, elle venait de la montagne. Hein. On en mettait dans des bacs. Ouais. Et puis, on le conservait là. Alors, dans eux, on avait une fontaine. Ah, d'accord. Donc c'était conservé là-dedans. Ok. Ah, c'était pas comme maintenant, ça c'est sûr. L'eau de la source était très bonne parce qu'il y avait des salamandres. Ah. Ben oui. Donc on pouvait la boire. Il n'y avait pas de problème. Ah oui, parce que la salamandre, c'est une indication que l'eau est bonne. Que l'eau est très pure. Que l'eau est potable, d'accord. Oui, oui. On est en visite. Vous êtes en vous visite. Pas nous ah, mettre... pardon, vous venez leur rendre visite. Oui, on vient. Ah visite. Bon, bah alors, pardon. Alors, je vais pas vous embêter. Bah non, on n'est pas sur le journal. Hein. Et vous aviez connu des sécheresses avant? Jamais comme maintenant. C'est pas du tout le même cycle. C'est comme la neige. On a connu des hivers de neige, mais maintenant, on sait plus ce que c'est. On sait qu'elle est encore blanche, mais ça s'arrête là. L'eau du pont. Elle était toujours potable? Ah oui. Alors comment vous faites ici au Croix-Rouge pour avoir de l'eau? Parce que ça nous intrigue quand même. Vous êtes le seul EHPAD, enfin vous êtes le seul lieu sur Terre qui arrive encore à avoir de l'eau. Ah ben, je dis qu'il y en a qui se sont débrouillés pour trouver une solution. Puis voilà, maintenant on a l'eau au Croix-Rouge. Oui. Alors. Eh bien, comme il n'y a plus d'eau, on attend la pluie pour récupérer de l'eau, pour en avoir, mais il faut des seaux, il faut plusieurs personnes qui nous aident pour qu'on ait... On attend la pluie, il n'y a pas de pluie pour le moment, c'est à sec, voilà.